Je suis mort. Mais c'est pas vrai! On est sur Valheim. Encore une fois. Je n'arrêterai jamais ce jeu. Il est trop bien. Oh, on voit une biche d'ici. Est-ce que vous pensez que je peux la voir d'ici, par contre? Oh, ça serait marrant. Non. Non, non, non. Oh, on pourra pas. Ok, bon. Toujours est-il que 2 heures de live. Un peu plus, 2h10. Voilà, jusqu'à 5h30. Jusqu'à que je vois 17h20 là, devant moi là. 17h30 plutôt. On est sur Valheim. J'ai battu le deuxième boss. Et j'ai fabriqué des clous qui m'ont débloqué la recette du Darv. Et donc j'ai quitté ce radeau pourri pour ce premier bateau qui va vraiment vite en fait. Donc je me languis de voir la vitesse d'un vrai drakkar. C'est pas encore ça quoi, hein, je sais pas, mais il est déjà hyper rapide comparé au radeau, c'est fou. J'ai planté des carottes. J'avais aussi des graines de pain et machin truc, mais j'ai planté des carottes. J'aime bien les carottes. J'ai fait aussi de la confiture. J'en avais 4. J'en ai déjà mangé quelques-unes. Et j'ai fait aussi de l'hydromel savoureux. Très très bon cet hydromel. Voilà, donc la petite baraque, je vous la présente quand même vite fait. C'est ma nouvelle baraque. J'ai détruit l'ancienne. Ouais, j'ai détruit l'ancienne et je me suis fait ça à la place. C'est pas vraiment un style viking, c'est plutôt un style américano-viking. Ouais, il faudrait que je peaufine quelques petits détails, tout ça, mais je trouve le truc un peu, tu sais, style Vendôme dans Skyrim. Voilà, et j'ai fait aussi quelques petites expériences et je me suis construit du coup le fermenteur pour faire cette hydromelle magnifique et des choses, le cultivateur. Enfin, j'ai fait quelques petites expériences la nuit dernière, la nuit qui vient de s'écouler. Voilà, et la question que je me pose aujourd'hui, c'est ça sert à quoi ça, la clé des cryptes partiellement couverte de boue séchée? Elle sent horriblement mauvais. Voilà. Et je me suis heurté à une... Tu sais, quand la forêt se réveille ici. Et ben à mon autre maison, à la chaumière Mikulmg, ici, si tu veux, il y a eu la puanteur du marais se vient jusqu'à vous. Est-ce qu'il y a un biome marais? Est-ce qu'il faudrait que je trouve un biome marécage? Comme c'est arrivé ici, ça doit pas être très loin d'un biome marais, du coup, si ça existe. Et donc, ça doit être lié à ça. Donc, je vais prendre le Darv aujourd'hui et on va aller. Salut maman, comment ça va? Comment va ma maman? Du coup, j'étais en train de dire qu'il existe potentiellement un biome marécage que je dois trouver. Et du coup, je vais aller rendre visite. Je vais prendre le bateau. Je vais aller prendre le bateau et je vais aller ici que je n'ai pas encore découvert, voir s'il se cache ici. Flagada. What? What? What the fuck? On va prendre du miel, c'est bon le miel. Parfait. Ça c'est très bon. Il est tombé un derrière. Ok, avant de partir, 4 de champignons, 7 de viande cuite. J'ai 5 hydromel savoureux sur moi. Confiture, de la reine, champignons et du miel. J'ai de la bouffe, il m'en faudrait peut-être un peu plus. Je fais que dormir. Et moi j'arrive presque pas à dormir, je fais que jouer à, à Valheim. Je vais prendre encore plus de bouffe. Champignons, je vais en prendre encore un peu. Voilà, je sais pas s'il faudrait prendre encore plus de bouffe différente, genre... Attends, dans mon coffre ici, par exemple. Ah, je croyais que j'avais des queues de Nyx. Mais non. Ah oui, peut-être petite nouveauté aussi. Je me suis fait une salle des trophées. Parce que je vais collectionner les trophées dans le jeu.
Ça, c'est le trophée du troll. Chaman. Le chaman ningri. Le cerf, le squelette, le sanglier, le ningri, la brute ningri, le nyx. Et il y en a d'autres, bien sûr, que je n'ai pas encore, évidemment. Allez, c'est parti. Pousse-toi. Ah, allez. Pousse-toi. Il faudrait que je m'aménage un quai, quand même. Parce que là, c'est la galère. Hop. On va essayer de voir si on peut y aller en marche arrière. Un peu ici comme ça. On peut le dégager, c'est bon. Alors, toi que j'ai trouvé en plus sur ce bateau génial ici, mais comparé au radeau, c'est qu'en plus d'aller beaucoup, mais genre beaucoup plus vite, il dispose d'une cache. Il y a 4 emplacements et on peut y mettre 4 stacks par exemple de minerais. Et c'est très 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 pratique. Alright. J'ai des flèches, j'ai tout ce qu'il faut. On peut lutter contre le serpent des mers si on se fait attaquer pendant que nous naviguons sur les océans difficiles. Il y a du vent, on va en profiter. C'est parti. On va ralentir, hein. On va y aller en ramant. Elles font un bordel, ouais, elles font un bordel. Oh bon, on est d'accord. Elles font du bordel sans cesse, elles ne sont jamais contentes. Et hop là. Oh putain. Comité d'accueil. Salut. Ce jeu en fait c'est un digne successeur d'un Elder Scrolls, mais c'en est pas un, mais ça pourrait, hein. Ça pourrait. Toi, tais-toi. Voilà, c'est parfait. Eh, il y a des arbres chelous là-bas. C'est la première fois que je vois ça. Oh, tu en as retrouvé. Excellent. Il y a des arbres très bizarres là-bas. Qui ressemblent un peu aux épines qu'avait sur l'épaule le deuxième boss. Oula, il commence à faire nuit en plus. C'est la première fois que je vois des arbres comme ça. Je sais pas si c'est le biome que je cherche, mais... ça se pourrait. Ça se pourrait vraiment, là. Alors ça, c'est des arbres bizarres. On dirait des arbres corrompus pour quelque chose. En plus, là, il y a une lueur verte dans l'arbre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Oula! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des drogueurs. Marécage. Marécage. On y est. Marécage. Il faut que je mette l'emplacement du bateau. Bateau. Bordel. Un drogueur. Oh, c'est quoi ce truc? Des sangsues. Mais il s'attaque à mon bateau, putain. Oh mais je vais crever. Je vais crever. Je suis mort. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Rip. Mais non, mais on va s'en rappeler de ce marécage. Putain, un comité d'accueil en plus. Des drogueurs, des squelettes par ici. Il reste au moins une sangsue. Parce que j'en ai tué pas mal avant qu'elle me tue, mais il en reste au moins une, c'est sûr. Ça va être délicat.
Ça va être très délicat. Oh, cette lumière, le coucher de soleil, c'est magnifique, mais en même temps, tu sais que ben, la nuit va se lever et du coup, tu vas être encore plus dans la merde. Oh la vache. Bon. Manœuvre, manœuvre. Manœuvrons, manœuvrons. On va manœuvrer comme Philippe. C'est parti. Je prends de la vitesse. Et je me mets en fait pile au niveau de ma tombe. Je sors du radeau, je la chope au passage. Et je remonte. Hop! Prendre tout. Merde! Il reste des trucs à prendre, genre ça à la place de. De ça. Et ça à la place des pierres. Oh putain! Allez, allez! Avance, avance, avance. Merde! Putain, je gère pas du tout là. Des petites flèches enflammées, s'il vous plaît. Cassez pas les couilles. Oh putain! J'y crois pas, ils ont éclaté mon bateau. Les bâtards! Et je suis empoisonné en plus. Oh putain, c'est pas vrai! Je peux récupérer au moins ce qui. Du bois précieux? C'est tout? Non, c'est pas tout. Putain. Oh, comment on se fait latter la gueule? Je suis mort. Putain. What? Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a... La caisse. Merde. Il a éclaté le bateau. Il faut que je nage avant qu'il me bouffe. Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai! Oh putain! MDR! Mais c'est pas possible! Non, sérieux. C'est là-bas en fait. Je crois bien que c'est celle là-bas. J'ai un doute, putain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'active le pouvoir. Sans ça, t'as aucune chance. J'ai récupéré et j'ai que dalle, genre. Donc c'était celle-là. Yes! J'y retourne. J'y retourne, j'y retourne, j'y retourne. Je me barre, je me barre, je me barre, je me barre, je me barre très très vite. Et j'ai récupéré les clous et le bois précieux. Yes! 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 Vous avez un petit creux, mais non, sans blague. Et oui, oui, elles essayent de me sucer en, pendant que je nage. Elles essayent. Pleine voile. Pleine voile, pleine voile, pleine voile. Démarre, démarre, vite. Les sensuels, arrêtez de me suivre. Donnez-moi une chance, putain. Oh, elles arrêteront pas de me suivre, en fait. Elles arrêteront pas. Résiste! Résiste, radeau! Prouve que tu existes!
fois je reviens, je me fais éclater par un serpent des mers, quatrième fois, et ben j'ai réussi à récupérer ma tombe. Mais ça a été infernal. Hein. 4 allers-retours, hein. Ça ok. Et surtout j'avais la clé des cryptes dans mon inventaire, donc j'ai persévéré à mort avec même le petit escalier et tout. Ah je me fais plaisir. Hein. Là. Je sais pas si c'est de la chance ou si. Ou si quoi. Mais j'ai l'impression que cet endroit en plus il est pas très très il est proche du marécage pourtant, mais il a pas l'air très hostile. C'est bon. J'ai l'impression que c'est réglé. Le problème est réglé. Il peut dormir. Ah merde, la fumée vous empêche de respirer. On va pas mourir pendant le sommeil ici. Merde alors. Je t'ai créé une cheminée magnifique. Pourquoi est-ce que tu fais chier? A few moments later. Oups. Voilà, il est réparé. Maintenant, dans le storage. Storage. Je vais quitter les cubes de sterling, les rubis et les piastres. Comme ça, je peux prendre un maximum de choses là-bas. Non. Voilà. Je vais récupérer plume, de la résine, l'ambre, mes champignons, ma peau de troll, mon bois robuste. Mon miel, s'il te plaît, voilà, merci. Et mon chardon. Et le reste, bois épais, on peut le laisser parce que j'en ai rien à péter.